Oi, 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 shalom alechem, shalom à la haine, shalom à la haine. Oi, 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 ma terre est souillée, la Palestine est juive comme Stéphane Tarot. Et là, je termine par « mais là encore, c'est leur problème ». Je ne vois pas... Voilà, si, à propos du fait... Si, c'est la fin de la digression, j'ai retrouvé. C'est qu'après tout, que l'extrême droite défende la liberté d'expression quand il s'agit des lois Guesso, mais que si c'était Jean-Marc Rouillan, il ne se battrait pas pour le faire. Une fois encore, je ne vais pas leur faire la morale, c'est leur problème. Après tout, qu'ils aillent se faire baiser, c'est pas le même. Par contre, là où je reviens sur mes pieds, on revient à tout, on revient à Radio Libertaire, à mort aux juifs, à la censure. C'est que le nôtre de problème, à nous, enfin, aux gens qui se disent libertaires, à moi, disons, aux gens qui pensent un peu comme moi, le problème des gens qui croient en la liberté d'expression, qui croient en la liberté en général, qui pensent, quand t'es libertaire, une fois encore, pour moi, libertaire, c'est pas avant tout terre, c'est liberté avant tout, c'est de mettre la liberté au centre de tout, liberté dans ta pratique, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de ta relation à plein de choses, vis-à-vis de toi, tout ce que t'as dans la tête surtout, parce qu'avant de faire la révolution dans la rue, faut la faire dans la tête, disait Ferré. Alors les anarchistes du parti répètent cette phrase, ils l'ont pas compris. La révolution dans la rue, dans la tête, ils l'ont pas faite, ils ont leur certitude, la révolution, c'est faut taper dans les choses pour les mettre la tête en bas de ce que t'as dans la tête. Donc, commence par répéter tous les matins, vive Le Pen, vive Le Pen, vive Le Pen, tu vois, ça va tout mettre la révolution dans la tête. Puis après, nous, notre problème à nous, c'est que si on croit à la liberté d'expression, on croit à la liberté en général, et donc en la liberté d'expression, il faut la donner à tous. Parce qu'une fois encore, j'ai écrit dans mon bouquin ou autre part plein de fois, si c'est donné qu'aux gens qui pensent comme toi, mais Staline, il était libertaire, hein. Il pensait que tous les staliniens, fallait leur laisser la liberté d'expression, Hitler, il était hyper libertaire. Donc tout le monde est libertaire à ce tour-là. Tout le monde est pour la liberté d'expression, c'est juste laisser s'exprimer les gens qui pensent comme toi. Dom-dom du psychopathe, il est pour la liberté d'expression. Si personne dépasse les limites, il n'y aurait pas besoin de censure, hein, d'accord. La liberté d'expression, elle commence quand tu te laisses parler les gens qui non seulement pensent pas comme toi, mais même qui t'offusquent profondément et te gênent. C'est ça, la liberté d'expression. Parce que tout le monde se prend la bite. Attends, oui, vas-y, tu veux... Mais tu parles dans l'art ou pour les partis politiques, c'est... Même pour moi, je suis pour la liberté d'expression entière. Parce que tout le monde se prend la bite, c'est amusant, tu as fait une merveilleuse transition, ça j'allais dire. Tout le monde se branle, mais tout le monde se branle la bite sur la phrase de Voltaire. Je ne pense pas comme vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous, que vos idées puissent s'exprimer. Tout le monde se targue de ça. Et personne ne l'applique, cette phrase. Il n'y a pas une personne qui a lu plus de 3 livres, qui veut faire un télo, qui ne se targue pas de cette phrase. Oui, mais quand même, c'est pas pareil, les fachos, ou les extrémistes, ou les islamistes, ou les féministes, ça, ou les machos, ou les machins, ouais. Mais la liberté d'expression... C'est évidemment laisser parler les libertaires pour moi, mais laisser parler les fachos, laisser parler les connasses de féministes qui m'emmerdent, tu vois, et qui me disent que sale pute, faut pas le chanter. Laisser parler les gens qui trouvent que tout se vaut en art, par exemple, ça m'offusque profondément. Les gens qui pensent que Fuzati, c'est vachement bien, moi je suis pour les laisser parler. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon... Pas trop, non, pas eux, t'as raison. Mais par exemple, les gens qui voudraient défendre parce que Fuzati, bon, va pas. Je voulais citer un autre truc. Abd al Malik, c'est intéressant. Les profs de français, par exemple. Il y a qu'eux qui défendent ça. Les profs d'histoire aussi. Les profs d'histoire géo qui voudraient défendre des profs d'histoire géo à ma barbe dans leur lycée de banlieue. Qui voudraient, du sud-ouest. Qui voudrait défendre que Abd al Malik c'est bien, mais moi je suis pour. En plus, on rit pas assez souvent dans la vie, il faut les laisser s'exprimer, tu vois. Que Philippe Poutou puisse parler, mais moi je suis ravi qu'il m'explique avec son accent que le collectivisme c'est sympa et que le jour où on aura pendu tous les juifs par les doigts de pied, enfin tous les juifs, le plus révélateur, tous les riches par les doigts de pied, mais ça fait au même, le monde sera meilleur, ah bon. Ah, super, moi je suis pour ça, je suis pour que Sayer m'explique que c'est pas de l'exploitation du prolétariat, qu'on est obligé de suivre l'ordre et qu'on puisse virer les gens n'importe comment, c'est juste un ordre normal, que Sayer puisse m'expliquer qu'il est entrepreneur, alors qu'il est juste gestionnaire d'entreprise et qu'il a jamais pris une initiative, et jamais monté son petit commerce, jamais été dans sa cuisine, se couper un doigt et aller quand même bosser, jamais été comme moi, j'ai fait tout bêtement à Avignon, me faire une hémorragie interne du genou et aller bosser. Je déteste toutes vos idées, je sais plus la phrase, on la retrouvera. Je déteste toutes vos idées ou je suis contre toutes vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. Moi, non seulement je le pense, ça, mais je l'ai appliqué plein de fois, on l'a vu plein de fois. Et je revendique ça. Et sinon, on revient toujours à ce que je te disais tout à l'heure, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est ses actes. Parce que si c'est ses paroles tous les mecs qui se disent libertaires le sont, après tout, et puis tous les mecs qui sont alternos le sont, et puis tous les mecs qui sont subversifs le sont, puis tous les mecs qui sont trop cool le sont, et puis etc. Et puis tous les mecs qui pour draguer une fille sont anti-macho, ils sont vachement ouverts, ils le sont, tu penses bien, et puis tous les mecs de banlieue, vas-y Rao, promis, je suis honnête. Mais pourquoi tu veux pas me laisser ton vélo? C'est sur ses actes qu'on juge un homme. Et puis Sarkozy, sur les marques Mitterrand est honnête. Dumas et Strauss-Kahn et Mitterrand sont de gauche. Voilà, bah ils l'ont dit, ouais, c'est bien. Et Vaquette est de droite, il l'a dit. Et Vaquette est nazi, il l'a dit. Ah oui. Sur Enquête et débat, le site de Jean Robin, j'avais vu une interview emblématique de ça, qui était incroyable. C'était un débat sur la liberté ou non des apéros saucissons pinard. Et en fait, le thème, c'était liberté d'expression ou non. Entre un type des verts gauchistes, anarcho, je sais pas quoi, antifa, voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Il se présentait un type des verts, parce qu'il était devenu vieux, mais à la base, antifa, se revendiquant comme antifa, contre un type de riposte laïque. Et alors, c'était merveilleux, parce que les deux étaient absolument pour la liberté d'expression. Et l'antifa était absolument pour la liberté d'expression. Oui, mais les fachos. Parce que moi j'ai lutté aussi, les catholiques, alors lui il voulait que les catholiques de l'Opus Dei tout ça on les interdise, les fachos on les interdise, saucissons pinard on les interdise, etc. Et puis, mais il voulait jamais interdire, c'était jamais le mot interdire. Mais moi j'ai jamais parlé d'interdiction. Je voulais juste qu'on fasse une contre-manifestation opérante, etc. Oui c'est ça en fait, l'idée c'était que lui il voulait faire une contre-manifestation à coup de batte de baseball sur les mêmes saucissons pinard, et qu'à cause de ça la préfecture a interdit, puisqu'il y aurait des risques de rixes. Et il disait, mais c'est pas moi qui l'interdis. Après que c'est interdit, bon, de toute façon, je suis pour. Mais c'est la préfecture, c'est pas moi. Parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public, parce que ces gens-là sont dangereux. Non, c'est parce qu'avec toi et tes copains, t'allais leur taper dessus. Bon, mais ils y étaient pour rien. Et de l'autre côté, t'avais le mec qui avait le beau rôle, mais moi, je suis pour la liberté d'expression. Ah, au début, tu disais, c'était bien. Voilà, moi, là, c'est son pinard, tout chacun fait ce qu'il veut. Et puis après, quand on a parlé d'interdire de la liberté des antifas, d'un coup, il était pour qu'on les interdise tout. Et c'était juste emblématique, parce que tu avais deux cons. J'aime pas ce mot, parce que c'est un mot facile. Mais t'avais vraiment deux imbéciles, c'est-à-dire de quelqu'un qui était là, deux militants, de quelqu'un qui voyait le truc par le bout de la lorgnette, qui coûtait pas l'autre, et qui défendait la liberté d'expression uniquement pour leur truc à eux. C'était, mais pathétique, horrible, et c'était emblématique de ça. Alors, voilà, moi j'aurais dit, mais que les mecs saucissons pinards s'expriment, et que les mecs qui veulent aller prier dans la rue le fassent. Que les fachos ou que les gens de riposte laïque puissent s'exprimer, qui sont contre ça, je suis pour, et que les mecs qui veulent aller prier dans la rue parce qu'ils veulent aller prier, je suis pour, et qu'après, la liberté s'arrête aux actes. C'est-à-dire que tu forces ta femme à se voiler, non. Tu excises ta gosse, non. Tu forces ta fille à un mariage, non. Mais tu prônes Dieu est le plus grand, les femmes n'ont pas de liberté, tout ça, mais t'es un con à mes yeux. Mais vas-y, exprime-toi comme, l'islamisme quand même, parce qu'un peu les Arabes, etc. Mais exprime tes conneries, Jean Robin, vas-y, exprime-les. C'est très bien, non mais c'est très bien. Et après, quelqu'un d'intelligent, il va secouer tout ça, il va faire sa propre pensée comme un être libre et responsable. Moi, je vais pas imposer à tout le monde, Fuzati, c'est de la merde. Tu entends, Vincent, Fuzati, de la merde, tu vas sortir de chez moi, tu vas répéter ce que... Mais vas-y, va écouter Fuzati, quoi. Et puis, c'est peut-être moi qui ai tort, et puis c'est peut-être moi qui ai raison. Et puis, merde, on s'en branle. Voilà. Donc, j'avais lu ça. On passe les pages, hein. Page 20. Nous arrivons bientôt à la fin. Il reste plus que 10 pages. On a fait les 2 tiers. Donc moi je suis pour que Rouillan puisse s'exprimer évidemment, mais je suis pour que les révisionnistes puissent s'exprimer, et je suis pour la liberté totale pour les deux. Voilà, moi je suis pour la liberté d'expression absolue, une fois encore, la seule limite étant l'appel direct aux actes. C'est-à-dire je suis à côté de toi, t'as un flingue, je te fais vas-y bute-le, vas-y va te bute-le. Ça c'est dangereux, parce que le mec il est dans la fébrilité, c'est un appel au meurtre, c'est une complicité normale. Mais l'expression je suis pour, non seulement je suis pour, mais je suis même intéressé moi. Je vais aller plus loin. Moi, je suis content d'entendre des discours faf. Parce que j'ai pas envie d'entendre que les trucs avec lesquels je suis d'accord. Je vais pas écouter en boucle. Enfin, moi, je disais toujours ça dans mes spectacles. Je jouais devant des gens a priori recrutés, entre beaucoup de guillemets, via Radio Libertaire, ou via des choses comme ça, dans des squats de punk à chiens. Donc, a priori, j'avais des gens plutôt libertaires, antifa. Quel était l'intérêt pour moi d'arriver dans une salle et de faire la jeunesse encule, le Front National, la jeunesse encule, le Front, on est tous, les fachos sont des salauds, wouh! Moi j'arrivais et je faisais Vive Le Pen. Qui évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, ne veut pas dire Vive Le Pen, veut dire méfiez-vous croire qu'on est audacieux d'être anti-lepéniste sous Mitterrand, soyez pas dupes de la façon dont vous êtes instrumentalisés, réfléchissez à ça. Moi, je suis plus intéressé, je ne vais pas te dire que Jean-Pax Méfret a plus raison que les idées que je défends, mais ça m'intéresse plus d'écouter Jean-Pax Méfret, parce que d'abord, il est contre, et qu'avant tout, moi, je suis contre, mais aussi parce que, tiens, je dis, ah, ça, il y avait ça. Ah, il y a des gens qui, sous Mitterrand, pensaient ça. C'est pas mal, quoi. Ça m'intéresse plus, voilà. Ça m'intéresse plus que d'entendre des choses avec lesquelles je suis d'accord, parce que moi, j'ai envie de grandir, j'ai envie de devenir plus intelligent, j'ai envie d'avoir du doute, surtout. Et que c'est le doute qui me fera grandir, c'est le doute qui m'ouvrira l'esprit, c'est le doute qui me fera poser des questions. Et si pour ça, moi, les thèses de Jean Robin m'intéressent, je les trouve cons comme la mort. Mais elles m'ont permis d'y réfléchir. Si j'étais arrivé dans mes trucs, Jean Robin facho, ce qu'il dit, ça m'intéresse pas. J'aurais jamais entendu les arguments de ces gens-là. Je les ai entendus. J'étais obligé d'y réfléchir. À des moments, ça m'a semé le doute. Après y avoir réfléchi, je fais, en fait, c'est des grosses conneries. Mais c'est bien, j'étais content de les entendre. Ça m'intéresse. Et je trouve que... Et donc, voilà. Et au bout du compte, la morale de l'histoire, puisqu'on arrive enfin à la fin de cette partie, c'est pour ça qu'elle était à ce point-là blessante, cette censure. Elle était blessante pour tout ce que j'ai, mais parce que je comprends pas qu'on puisse être libertaire et d'avoir censuré moi, mais moi on s'en fout, d'avoir censuré Coste, d'avoir censuré quelque chose, quel qu'il soit, d'avoir censuré même un vrai facho. Voilà. Moi, je comprends pas. Et c'est blessant pour ça, je comprends pas. Tu vois, qu'on soit collectiviste un peu, qu'on soit pas, c'est une grande famille libertaire, et puis chacun à sa place, je m'en fous. Mais qu'on soit contre la liberté, quand on est libertaire, là j'ai du mal à faire rentrer ça dans la famille, ça me dépasse, voilà. Et essentiellement, parce qu'une fois encore, c'est par ses actes qu'on juge un homme, et j'ai pris cette phrase magnifique du film de Le Comte Ridicule, qui est la phrase récurrente qui revient dans le film, il dit « on fait pas des beaux fruits avec un arbre pourri ». Et je trouve que c'est central dans ma vie, j'essaie de m'appliquer ça. On fait pas, on défend pas la liberté en faisant de la censure à ton antenne. On défend pas la fantaisie, la jeunesse, l'irrévérence en étant vieux et sérieux. Voilà, je crois centralement. Et pour terminer cette partie, et évidemment en plein cœur du sujet, puisque nous sommes retombés sur nos pieds, nous allons lire ensemble une partie de mon bouquin, évidemment tirée du chapitre Mort aux Juifs, qui est la plaidoirie que l'avocat de Vaquette, l'avocat de Jasper Incroyable pour le procès Mort aux Juifs, fait. Voilà. Bah, je vais le faire sur ta caméra. Voilà, ça t'apprendra pas à m'écouter. Là. Et tout ça, évidemment, je l'ai écrit dans mon bouquin, donc les gens qui connaissent mon rapport au travail savent que, évidemment, je le revendique et que c'est très important pour moi, sinon je ne me serais pas fait chier à l'écrire dans un bouquin. Je crois que la liberté est le bien le plus précieux de l'homme, de l'humanité. Je crois que la liberté d'expression ne doit jamais souffrir d'aucune limite, ni d'aucune restriction. Je crois même que si les propos de Jasper l'Incroyable étaient ouvertement racistes, la dignité de celui qui croit en la liberté et en sa forme sociale l'état de droit, et d'honnir toute censure, certain que la phrase de l'imposture, de tous les reniements, et celle-ci, la fin justifie les moyens. Ça, je l'ai écrit dans d'autres spectacles et tout, je suis persuadé que c'est la phrase de l'imposture, une fois encore, c'est par ses actes qu'on juge un homme, une fois encore, le moyen, c'est aussi la fin. Et voilà, cette phrase, plein de gens la répètent aussi sans jamais la comprendre. Ça me fait assez rire, ça. Mettez donc un préfet Pipard, donc préfet Pipard pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, c'est l'enculé qui est procureur. Mettez donc un préfet Pipard ou un militant antiraciste, catholique, féministe, d'extrême droite ou de n'importe quelle autre ligue de vertu moderne derrière chaque citoyen et vous aurez gagné, le fascisme aura enfin vaincu. On sait, ou on devrait savoir, qui fait de l'autodafé et de la censure un mode de gouvernement. On sait, ou on devrait savoir, qui prône l'asservissement de tous à la pensée unique et l'enfermement des déviants. On sait, ou on devrait savoir, aussi, que c'est en provoquant, en semant le doute, mère de la réflexion, qu'on prépare le mieux les esprits à lutter contre la bêtise, mère du racisme, de l'intolérance, de tous les sectarismes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je demande à la Cour, à moins qu'elle ne veuille assumer une infamie, je veux dire un reniement de tous les principes qui la légitiment, la relaxe pure et simple pour mon client, etc. etc. Bon, évidemment, je leur revendique tout ça. Je répète la spéciale dédicace à Radio Libertaire en étant très sérieux. Je voudrais que les gens qui m'ont passé en commission, je leur demande pas des excuses, je vais les infantiliser, je m'en fous. Juste qu'ils réfléchissent et qu'ils soient d'accord avec ces propos, qu'ils fassent « Ah ouais, enculé de facho ». Non, non, réfléchissez. On devrait savoir qui fait de l'autodafé et de la censure à mode de gouvernement. C'est là-bas qu'on va couper les bandes sans fin. On devrait savoir ça. On devrait savoir qui prône l'asservissement de tous à la pensée unique. Je voudrais qu'ils réfléchissent à ça. Et l'enfermement des déviants. Pourquoi Coste passe jamais sur Radio Libertaire? Moi, je voudrais savoir. Et je voudrais aussi leur dire, ce que je dis précisément aux juges, je demande à la Cour, je demande à ces gens de Radio Libertaire, à moins qu'elle ne veuille assumer une infamie, c'est-à-dire un reniement de tous les principes qui la légitiment, la relaxe pour mon client. Tous les principes qui légitiment l'anarchie, il y en a un principe avant tous les autres, c'est la liberté. Donc interdire Vaquette là-bas, c'était juste une infamie. Voilà, après moi je leur demande une fois encore pas des excuses ou des choses comme ça, c'est pas ça. À la limite, ils me diraient ok, on y a réfléchi, on a fait une connerie à ce moment-là, mais comprends-nous. Je leur dirais je vous comprends à moitié parce que votre délire antifacho, bon admettons, mais je ne demande pas, je m'en fous, je ne vais pas les infantiliser. Mais par contre, les principes, je les ai écrits et je les revendique. Fin de la partie, par contre, comme j'ai plein d'énergie, je vous propose qu'on finisse tout et on va se bourrer la gueule à Lyon.